Tommy et Marie-Jacques sont en patrouille au parc de la Frayère à Boucherville. Ils veillent à la conservation des milieux naturels dans la région. Ça a été ma vocation. Depuis près de 20 ans, cet environnementaliste milite surtout pour la protection de l'habitat de la rainette faux-grillon, une espèce menacée. La rainette faux-grillon, présentement, dans le Grand Montréal, se porte très mal. Lorsqu'on a commencé en 2003, on avait déjà perdu 90% des effectifs de la rainette faux-grillon. Puis, depuis ce temps-là, on a perdu un autre 30 à 40%. C'est justement pour protéger l'habitat de la rainette et d'autres milieux naturels que la communauté métropolitaine de Montréal adopte un règlement qui interdira tous travaux ou constructions à ces endroits au nom de la lutte contre les changements climatiques. C'est maintenant que ça se passe. J'ai envie de vous dire qu'on n'a pas le temps de niaiser. Actuellement, environ 10 % du territoire du Grand Montréal est protégé. En y ajoutant ses milieux terrestres, humides et l'habitat de la rainette faux-grillon, cette proportion passerait à plus de 22 %, soit l'équivalent de la superficie de l'île de Montréal. C'est énorme. C'est un geste qui est important. Je pense que c'est une initiative qui est très cohérente avec la science, qui est nécessaire. Mais certains milieux naturels ont déjà été détruits, comme le marais d'Arvaux de Longueuil, remblayé par le Canadien national. Malheureusement, ce n'est pas possible de rétablir le milieu pour garantir, disons, le retour de la rainette faux-grillon. Donc, c'est très déplorable. Les tortues sont juste là, pas très loin. Là. Des endroits comme celui-ci seront dorénavant protégés. Majeur, là. On parle de plusieurs milliers d'hectares qui vont être protégés par ce règlement-là. Donc, c'est quelque chose de vraiment qu'on attendait depuis très longtemps. Un peu de répit pour les espèces qui y vivent. Donc, ce règlement, adopté par la communauté métropolitaine de Montréal, entrera en vigueur dès son approbation par le gouvernement du Québec. La ministre des Affaires municipales aura 60 jours pour décider de l'approuver ou non. Ici Sébastien Desrosiers, Radio-Canada, Longueuil.